fama dokumbi fama ninga fangara jeliba kumanfe sama sakre kum samanfe koni do fre kum samanfe minda kala yi sak kum inma emax moi je veux faire un humain. C'est chouette. On vient de enlever dans les glaçons. C'est un col 100% bio. On peut le boire, tu vois. Ça tue pas, ça sent très bon. Pour les enfants, c'est pas dangereux. Donc là, tu le sors le papier. Ça, je le sors le papier dans l'eau. Après deux jours, après tout sec comme ça, ça devient comme la pâte. Je mets dans le col. En fait, la préparation du papier mâché, c'est très féminin. Il faut le préparer comme tu fais la cuisine. Il faut d'abord aller chercher le papier ou le récupérer. Après, il faut le découper en petits morceaux comme la viande. Après, il faut prendre un pilon. Pour le puller bien. C'est bien, c'est super. Ouais. Voilà. Ok. Donc maintenant, tu appuies un peu ici, voilà, pour faire un peu bien fini. Voilà. Après, tu prends la pâte, tu crunches tout ça, comme ça. Voilà. Voilà, c'est top. J'ai fabriqué un chien. D'accord. Parce que c'est pas sec. Vas-y, c'est quoi? C'est le lapin. Lui, c'est un oiseau amoureux. Voilà, comme ça tu sais qu'il faudra mettre la colle jusqu'à là pour toi. Alors, Il coupe pas ses ciseaux. Voilà, ensuite tu retournes et tu regardes si ça va. Parce qu'il faut pas qu'on voit le tuyau. Ouais, c'est bon là. Il n'y a plus de rapport. Comme ça, on espère que ça tient. C'est l'heure jeté, ça suffit, c'est bien. Regarde.
Ouais, il est appliqué quand même. Hein. Voilà. Et puis le roi maintenant appelle son féticheur. Il a décidé de manger les bois, les féticheurs, le griot du roi, qui mangeait tout ce qu'il voit. Yindu. Son nom, il s'appelait Yindu. Comment elle s'appelle la guerrière? Elle s'appelle Zanguma. L'oiseau qui vivait dans ce village s'appelait Walilali. Walilali. Il s'appelle Zimini. Zimini. Elle s'appelle Maki. Maki. Oh, Walilali. Maki. Wakara Lombo. Wakara Lombo. Wakara Lombo. Ça, c'est un nom étrange. Wakara Lombo. Lombo. Wakara Lombo. Et le petit chien, il s'appelle comment? Le petit chien du roi s'appelle Nyansan. Nyansan. Alors? Aba créé. Mais Mogo n'a pas trop. Où est-ce que tu as trouvé? Oh, le vieux du village. Le vieux du village. Bon, très bien, le vieux du village. Ok, le vieux du village. Le vieux du village. Plumé. Comme fait un bébé, Sama B, Jackman B, Dafra Djaga B, Sabé, Mogo Naba B, Fem bébé. Allo, le vieux du village. Café. Amen, c'est l'histoire, Mouké. L'histoire, Mouké. Ako, comme tu veux, Bé. Le lion a dit que lui, il veut manger le griot du roi. Fladona, qui est comme le roi, m'a donné Fladona, c'est bon. Et le serpent? Le serpent, voilà, ça va. Voilà, un beau bras. Donc, d'en parler au village avec les vieux et tout le monde. Attends, tu sais, il faut le voir. Il mettre une aiguille sur son bec. Voilà. Voilà, on transpire le pouvoir à la guerrière. Maintenant, la guerrière a le pouvoir, il va prendre son chemin pour le combattre avec les taxi brousse. Les taxi brousse, tout le monde parle grec. Les taxi brousse sont tombés en panne maintenant. Et les guerrières veulent partir. La Chine vient, elle va transporter. Ils arrivent dans les brousse, ils rapportent les chaînes. La femme du lion a été tuée cet après-midi à 15h pile. Il est très très content. Les masques vont venir danser un peu. Quand les lions ont entendu le bruit, il est venu. Il voulait voir les griots pour les tuer. Il y avait les magiciens qui étaient prêts. C'est le combat. Il attaque les lions. Yeah!
ou pas? Ouais. Oh, regarde, c'est plus là. Elle est quoi? 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 Elle est qu